Dans l'immédiat, il ne craint rien. D'abord, dans les mois qui viennent, et cela risque de prendre assez de temps, le procureur général va examiner le dossier présenté par la police. Il va ensuite discuter avec les avocats de M. Netanyahou et un procès peut-être dans un an. D'ici là, il ne bougera pas. Il a déjà annoncé, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'acte d'accusation en bonne et due forme, je ne démissionne pas. Cela dit, les affaires s'accumulent. En ce moment même, la police israélienne est en train de présenter à un juge deux personnalités très proches de M. Netanyahou, on ne connaît pas encore leur nom, dans une troisième affaire qui le concerne autour de la grande compagnie de télécom israélienne Bezeq, où il y a déjà un PDG qui est en procès. Donc les affaires s'accumulent. Monsieur Netanyahou a le soutien absolu de son parti, le Likoud, et les autres partenaires de la coalition gouvernementale n'ont aucune envie de créer une crise qui amènerait à des élections anticipées.